Allez, salut tout le monde, c'est Crawler18 et on se retrouve aujourd'hui pour la deuxième partie de notre aventure sur Pokémon Light Platinum en mode Nuzlocke Challenge. Alors j'ai beaucoup entraîné l'équipe parce que, donc dédicace à toi, Tommy Aspi, donc tu m'as donné une astuce, hein. Une astuce, voilà, donc qui m'a permis de, vous le voyez, hein, ils sont tous niveau plus de 20. Donc, Macronium, je suis désolé, je l'ai fait évoluer en off, j'ai pas fait exprès. Enfin, je voulais pas, et puis dès qu'il a évolué, je l'ai entraîné. Et voilà, et Milobelus, j'ai été obligé de l'entraîner plus que 20. Tout simplement parce que la première bonne attaque qu'il apprend, il l'apprend niveau 20. Avant il a rien, il a que ligotage, donc c'est vraiment pourri, on n'aurait rien pu faire avec. Puis lui, je l'ai pas beaucoup entraîné. Je l'ai entraîné juste parce qu'en fait à chaque fois contre les Pokémon sauvages, je mettais Milobelus. Enfin je le faisais surtout avec Pichu. Je mettais Pichu et je switchais sur, sur Reptincelle pour pas que Pichu il se fasse tuer, parce que sinon voilà, il est mort. Et donc dès que Macronium il a évolué, j'ai fait l'astuce qu'il m'avait donnée, que je vais vous montrer tout de suite. Vous pouvez voir là que je marche sur l'eau. J'accélère. Je bouge de droite à gauche. Et combat. Combat contre des Pokémon. Donc, alors, ils peuvent être jusqu'au niveau 35. Alors, je vais vous dire, si vous avez de la chance, vous pouvez tomber sur un Barpo. Où il y a des Barpo, il y a des Magikarp aussi, mais ça c'est pas rare. Mais il y a des Barpo, hein. Je suis tombé sur Barpo niveau 30, mais ils sont très rares. Et il y a des Poissirène aussi. Donc voilà, on va accélérer. Tac, et vu qu'il est super efficace, même niveau 16, il pouvait battre les Hippocéans. Donc voilà. Ce qui fait que j'ai EP comme ça en switchant à chaque fois sur. En switchant sur lui. Bon allez, on va encore accélérer du coup. Et on va entraîner. On va entraîner Reptincelle. Voilà, Reptincelle. Pourquoi Reptincelle? Parce que la prochaine arène est de type insecte. Donc si je veux pas me faire défoncer, on a intérêt de prendre, enfin de faire monter Reptincelle. Ah là là. Oh, ils vont s'arrêter les Pokémon sauvages là. Donc voilà, c'est là à la base, hein, où je les faisais XP. On l'a déjà battu, lui. Voilà, on en était là. On en était à lui. Donc Pichu, je l'ai pas trop entraîné. Pourquoi? Parce que je... Il est vraiment nul, donc je pense que dès que je pourrais l'enlever, je l'enlèverai. Hein. C'est juste au cas où il y ait des Pokémon de mon équipe qui meurent. Parce que c'est dans un Nuzlocke, faut toujours avoir le plus de Pokémon possible. Alors comme un con dans l'autre épisode, en fait on aurait dit qu'on était sur la même route, mais en fait c'était pas la même, ça a changé de route. Donc on aurait pu capturer un autre Pokémon, mais bon je l'ai pas fait, donc tant pis, on n'en aura pas sur cette route. Et voilà, hey, have you see machin, hop, c'est des arbres, tac, elle veut les couper, tac tac tac. Bon, j'accélère. Voilà, donc c'est elle la championne. Elle a un Happy Rain, donc ça rigole pas. Voilà. Et on est dans les bois, je sais pas quoi. Ah merde, je l'ai tué. C'était une nouvelle zone, on aurait pu le capturer. Ah, je suis con. Ouais, j'ai pas l'habitude de Nuzlocke Challenge, hein. Ouais, ça se voit d'ailleurs. Bon, heureusement qu'il y a beaucoup de... On nous donne beaucoup de Pokémon dans ce jeu. Ah, on voit notre rival, donc on peut s'attendre à un combat. Ça risque d'être chaud. Allez. Donc on va accélérer. Alors, à l'heure où je poste la vidéo, j'ai toujours pas...
Enfin, à l'heure, non, à l'heure où je tourne cette vidéo, j'ai pas encore mis la première. Donc je peux pas savoir si vous avez répondu dans les commentaires à comment aller dans le parc safari. Alors, je pense que c'est parce qu'on n'avait pas assez d'argent. Donc on va essayer d'y retourner après, en fait. Oula! Ah, il gagne beaucoup d'XP. 700 points, c'est énorme. Oula. Bon, allez, du coup, ouais, on va faire ça. On va y retourner. Donc c'est cette route là, vous allez voir. Ça va changer de route à un moment. Ah. Ah, mais il y a trop de Pokémon là. Voilà, on a changé de route, ça se voit bien. Donc on aurait pu capturer un autre Pokémon. Route 403. Voilà. Et donc je pense c'est parce qu'on n'avait pas assez d'argent. Alors on aura... Il y a plusieurs zones dans le parc safari. Moi je veux un type glace. Donc on va aller dans la ice zone. Ouais voilà, on n'avait pas assez d'argent. Allez. Donc on va prier pour tomber sur un bon Pokémon, les amis. Dites-moi un bon Pokémon, un bon. Ok, bah ça sera Marcacrin. En espérant qu'il fuit pas. Ok, il s'est pas barré. Non, on va pas mettre de surnom. Ok, donc ça sert à rien hein, qu'on reste dedans vu qu'on n'a pas le droit de capturer plus de Pokémon hein, donc on va vite se barrer. Donc je l'entraînerai pour le prochain épisode sûrement. Je mettrai au même niveau que les autres parce que Marcacrin c'est un Pokémon que j'aime bien. Bon, j'aurais préféré tomber sur Stalgamin, mais bon, c'est tombé sur Marcacrin. Marcacrin il est bien aussi. Par contre je sais pas si on peut le faire évoluer en Mamochon dans ce jeu, donc dites-moi dans les commentaires si vous savez, est-ce qu'on peut lui apprendre pouvoir antique et le faire évoluer en Mamochon. Voilà. Bah allez, Ember, on va lui faire un petit coup de flamèche. Ah, là on est mal. Écoutez, on va switch sur Bailsafe, enfin Macronium. Allez, Rasoir Leaf. D'ailleurs il a synthèse, c'est une attaque pas mal, c'est vachement utile dans le Nuzlocke Challenge. Oh là là, encore un fail. Bon, on va switch hein. Parce que ce qu'il y a c'est que les noms anglais je les connais pas trop, même si Magby c'est le même. Ah, pourquoi je vais faire ça? Attaque inutile, ok. Ok, on est bon. Ouais, c'était facile, mais parce que je les ai entraînés. Sans les entraîner, je pense que ce combat il aurait été dur. Avec l'équipe que j'avais avant, enfin à la fin du premier épisode, ça aurait été chaud. Allez, cool, niveau 25. Donc ce jeu, ouais, il est vraiment dur hein. On voit rien que les dresseurs, là on est même pas à la première arène, ils sont déjà niveau 16. Donc ça rigole pas. Ah, gros fail. Allez, on fait le tour. Lui, il veut quoi? Ah oui. Ah là, on peut pas y aller encore. Ça sera après, mais ça, je m'en rappelle. Il y a un truc à faire ici. Donc je pense qu'on va aller jusqu'à l'arène dans cet épisode, j'ai envie. Allez, un petit coup de flamèche. De toute façon, on va faire que flamèche. Hein. Pour l'instant, il a que ça de bien, Rectincelle. Alors, j'ai envie de vous dire... Voilà. Ok, hyper ball. Ouais, cool, on n'a pas eu de Pokémon sauvage. Alors par contre pour le prochain épisode je vais pas les XP hein, je vais juste XP Marcacrin.
Enfin, ou un autre Pokémon si on le capture, mais je vais pas les XP. Ah. Faut faire gaffe là, franchement, faut qu'on fasse gaffe. Ok, un Lixi. Normalement, il n'y a aucun risque. Je dis bien normalement. Parce qu'on n'est jamais sûr, hein. Bon, lui, il n'y a aucun risque. Ça, c'est clair et net. Par contre, on va changer parce que ça devient saoulant. Bah, justement, vu qu'il n'y a aucun risque, on va XP. C'est quoi ça? Je sais pas ce que c'est. Enfin bref, on va XP un petit peu notre marque à crin. Alors j'espère que ça va pas être trop long. Bon, ça va, c'est pas trop long. Vu qu'il y a le mode accéléré, c'est pas trop chiant. Allez, 1, 2, 3, vite. Ok, bah voilà, il est déjà niveau 6, c'est cool. Du coup, on va changer de Pokémon, hein, vu qu'il a plus d'attaque. On va mettre Milobelus. Donc Pichu, ouais Pichu, on l'entraîne pas parce que dès que je peux, je le change. C'est juste au cas où. Ok, y a rien. Faudra surtout pas l'utiliser par contre, Milobelus. Pour l'arène. Ah non, quoique c'est insecte, donc ça peut aller. Donc allez, je vais arrêter d'accélérer parce que voilà, après si j'accélère même pendant les cinématiques, ça le fait pas. Faut accélérer les moments chiants. Look, ok, donc Look, elle parle de tous les Happy Trini. Bon là par contre on accélère parce que voilà, il remonte la même chose. Ok, et voilà, et là elle est à la forêt. Elle est allée à la forêt. Bah du coup on va remettre Reptincelle, hein. Oula, maintenant il est devenu cheaté carrément, il est niveau 26, hein. On va vite faire regarder si on peut aller dans quelque chose. Si on peut pas rentrer dans les maisons. Ouais non, c'est pas ça. Faut aller à la forêt, c'est ça, c'est obligé. On va passer où il y a le moins d'herbe. Ah. Voilà. Voilà, on voit maintenant, il y a des gars. Et c'est la team Steam. Ouais, Grunt, c'est Team et Steam. Donc voilà le nom de la team du jeu. Donc, je crois que je l'avais pas dit dans le premier épisode alors qu'ils en parlaient dans le jeu. Enfin, je sais pas. Enfin, bref. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'on va les défoncer. Allez, tu meurs avec la brûlure. On va accélérer. Alors, c'est du miel, hein, il me semble, par terre. Puisque, bah voilà, hein, Happy Trini, miel. Happy Trini, le Pokémon. Ruche abeille, je sais pas. Enfin, c'est des alvéoles, on dirait. C'est même pas on dirait. C'est trois alvéoles collées, un Happy Trini. Bon, c'est pas qu'ils sont nuls, mais non. Enfin, ils sont pas nuls. C'est moi qui est fort, qui suis fort. Je sais pas ce que c'est. Bon, on va pas mettre. Hein. No. Stop learning, yes. Ok, c'est bon, il l'a pas appris. Allez, un petit flamèche, toi t'es mort. Ah, oui. Ça c'est le truc qu'il faut jamais tenter dans un Nuzlocke quand on se fait. Merde, quel con. Quand on se fait. Ah, je trouve plus le mot.
Quand on se fait être confus, enfin quand on est confus, il faut jamais tenter dans un Nuzlocke Challenge. Parce que ça c'est fatal, c'est le truc qui tue tout le temps. Il y a une autre attaque fatale dans les Nuzlocke qui est effort parce que ça enlève... Si l'autre il lui reste plus qu'un PV, et bah toi ça t'enlève tout le même nombre de PV. En gros si lui il en reste un, toi il t'en reste un aussi. En gros c'est extrêmement puissant. Donc c'est ça, on peut l'utiliser dans Pokémon Gem aussi si on est un très bon stratège. Ok, donc je sais pas ce qu'ils disent, donc on passe. Voilà. Alors go Apiren. Go je sais plus son nom. Gros Drive. Voilà, East Fight. Ah, East Fight, elle perd et du coup nous on doit se fighter à sa place. Alors va falloir faire gaffe au boom final. Boom final, ouais. Qui est l'attaque spéciale de Gros Drive. Je sais plus si elle a un Gros Drive, mais en tout cas, ces Pokémon ils sont niveau 18, donc c'est pas mal. Ouais, Gros Drive. Donc le boom final qui enlève énormément de PV. Si on l'achève avec une attaque physique, si on fait une attaque spéciale, ça nous le fait pas. Donc heureusement pour moi, parce qu'avec une attaque physique, il m'aurait peut-être tué. Voilà, merci à toi, truc muche. Voilà, donc la forêt, hein, le nom de la forêt, ça doit être un truc du genre miel, forêt mielleuse ou un truc, je sais pas, comme un truc comme ça à peu près. Voilà, parce que voilà, il y a du miel, il y a des apitrini, hein. Donc on est niveau 28, pourquoi je dis 18? Donc je pense que l'arène feu... Ah, il y a des venipates, ça c'est cool, on va le tuer lui parce qu'il gagne beaucoup d'XP. Voilà, niveau 8, il gagne... Attends, niveau 11, il gagne 238. Alors soit c'est un bug, soit je sais pas pourquoi ils ont mis beaucoup d'XP à ces Pokémon complètement nazes. Eh ben allez, on est parti, on va se faire l'arène. Hey, crawler machin. Ah. Ah voilà, donc notre rival. Je sais pas trop ce qu'il a dit, mais enfin bref, à mon avis, le truc c'est qu'il a gagné l'arène. Et qu'il nous dit, t'es trop nul pour la faire en gros, et si tu me bats... Si tu me bats, voilà quoi. C'est en gros ce qu'il veut dire, je pense, c'est t'es trop nul pour faire l'arène. Je vais te défoncer, enfin un truc comme ça. Sauf que c'est lui qui est trop nul pour faire l'arène. Voilà. Parce qu'on n'aura même pas besoin d'aller au centre Pokémon. Ah, et il nous donne... c'est quoi? Cut, c'est coupe. Ok, merci à toi. Hop là, tu peux dégager. Alors ce qui est pas trop cool, c'est qu'on peut pas... On peut pas les renommer, nos rivaux. Nos rivaux, on peut pas leur donner de nom. Enfin, ils ont un nom à eux. Ah, il va nous filer beaucoup d'XP, ça c'est cool. Oula, 500, pff, complètement cheaté. Et voilà, toi t'es mort. Ça serait vraiment, vraiment bizarre que qu'on ait un... Ah ok, ça c'est cool, hein. Un Pokémon dans les arènes. Ah mais merde, du coup c'était une nouvelle zone, j'aurais pu le capturer. Ah c'est con. Ouais, ça c'est sûr que c'est con. En fait, j'ai le réflexe d'attaquer, mais voilà. Alors, dites-moi si je loupe des trucs dans les maisons, parce qu'il y a beaucoup de Pokémon qui sont donnés dans le jeu. Alors, je sais pas si des fois je vais louper un Pokémon qu'on nous donne ou pas. Donc, dites-moi dans les commentaires si vous savez que j'en loupe un. Bon, ce serait cool qu'ils arrêtent de faire les tapettes avec leur... leurs attaques pourries là, abri. Allez, on va se faire elle, et normalement il y a le champion après. Ok, on va passer niveau 30 déjà. Déjà, c'est... il est déjà cheaté notre Reptincelle.
Par contre, dans les épisodes d'après, on entraînera pas, on entraînera les autres, évidemment. Parce que si on en a un super fort et les autres complètement nazes, ça va pas le faire. Même si la reine 2, elle est type plante, donc on l'utilisera pour la reine 2, évidemment. Bon, ok, c'est le champion. Ah là là, c'est... Ouais, c'est chiant, ça. En fait, c'est bien, mais... C'est chiant que ça le fasse tout le temps, à chaque fois qu'on passe à côté. Allez, on va se soigner, j'accélère, tac, tac. On perd pas de temps. Enfin, c'est pas une course, la vidéo, mais... Bon, faut pas que ce soit ennuyant, donc... J'accélère pour les trucs qui sont chiants. Ok, allez, on va accélérer jusqu'au champion. Ah, ils sont revenus. Ah, le niveau, il est aléatoire, je pense. Ils peuvent être du niveau... Ils peuvent être niveau 1 à 10, je pense. Ouais, voilà, puisque 8. Ouais, je pense que ça doit être ça. Et bah, allez, on est parti, les gens. Déjà la deuxième arène, hein. La première, pourquoi je dis la deuxième? Deux épisodes, première arène. Allez, lui, il gagne beaucoup d'XP, ça c'est cool. On le défonce en plus. Ah, le fameux Happy Rain. Donc là, on va faire gaffe. On va faire très gaffe. Ok, c'est complètement naze. Donc voilà, première arène déjà niveau 22, donc ça rigole pas du tout ce jeu, hein, franchement. Voilà. C'est sûr que c'est beaucoup moins dur que Pokémon Gem, mais comparé à un jeu Pokémon classique, enfin un jeu, une version officielle on va dire, c'est beaucoup plus dur. J'espère d'ailleurs que dans Pokémon X et Y ils ont mis du niveau, même si je pense que non. Ça serait cool, mais... Franchement, je doute, hein. Franchement, à mon avis, il va même être plus simple que ceux qu'il y avait avant. Allez, du coup, on va enlever ce Pokémon cheaté de la première place. Puis on va mettre lui. Puis on va continuer un peu parce que voilà, 20 minutes, c'est pas beaucoup. On va faire au moins 30, hein. Alors, c'est quoi ce truc? Alors on nous donne peut-être un Pokémon ici, je sais pas. On va leur parler à tous comme ça au cas où s'ils nous en donnent un. Ah, un Arco. Et voilà, bah poussifeu. Après on a déjà un type feu, mais franchement, on a déjà un type plante et on a déjà un type eau. Donc moi je prends mon préféré. Et mon préféré, bah c'est poussifeu. Donc on va voir si on l'a dans notre équipe. Ah, en plus c'est cool, il est niveau 10. Il est niveau 10. Voilà, il a des stats pas trop mal. Donc les deux là, je les exprès. Puis ben, on va le virer dans le PC, je pense, hein. Alors je sais qu'on nous file un Elekid. Alors voilà, hein, comme quoi c'est un Nuzlocke. Mais franchement, vu tout ce qu'on nous donne, c'est un Nuzlocke sans trop en être un, quand, c'est un peu ça. Alors, on va regarder, parce qu'il me semble que c'est dans cette ville aussi où on nous donne les kids. Merde. Alors, on nous donnait un Caninos au début du jeu aussi, mais je l'ai pas pris. Enfin, bref. On n'a pas besoin. Dans cette ville... après, où c'est? J'en sais rien. Hein. Au pire, on le prend pas, j'ai envie de vous dire. On a... Ah, il y a un bug, là. Il y a un bug. On peut pas y aller. Enfin, bref. Au pire, on va pas les prendre, hein.
enfin on va pas le prendre le liquide, ou dites-moi dans les commentaires, puis je le récupérerai dans l'épisode d'après. Alors ouais, on va mettre lui en premier, puis lui en deuxième, parce que voilà. Ah, il nous a donné quoi ça, je sais pas ce que c'est. Enfin bref, parce que voilà, j'ai envie de le faire XP, c'est un Pokémon que j'adore, Poussifeu, que j'ai encore jamais pris dans mes let's play, bah, parce que j'ai pas fait de let's play encore où il était dedans. Donc voilà. Alors on switch. Je suis désolé, on va switcher, mais c'est pour le faire évoluer. Merde, j'ai pas re-switché. Ok. Allez. Hop. Faudra faire gaffe là, puisque ils sont pas mal forts quand même. Hein. Ok, il est mort dans sa confusion. Poussifeu, il passe niveau 12. Ah voilà. Alors il y a des, c'est les deux gars qui a dans Pokémon Ranger, si vous savez. Et bah à mon avis on va les affronter hein. C'est un peu nos rivaux aussi. Donc il y en a vraiment beaucoup de rivaux. Alors Lorenzerni. Ok. Lornik. Ah ok, donc on affronte celui-là. Ah, il a un salamèche le chanceux. Ah, j'aimerais bien l'avoir lui aussi hein. Pourquoi je fais ça? Expliquez-moi pourquoi je fais ça. Déjà, il a un salamèche qui devrait être un champ en feu. Alors, on va pas faire la boulette. Là, on va pas switcher sur le mauvais Pokémon, parce que sinon, il nous l'aurait tué. Ça aurait été con, franchement, de perdre un Milobulus. Merde, j'ai pas switché sur le bon. Enfin bref, pas grave. Tac tac. Il nous dit quoi là? Il nous apprend à pêcher ou je sais pas, ouais. Ouais, il a sûrement dû nous apprendre à pêcher, enfin nous donner un truc pour pouvoir pêcher. Merde. On va switcher sur lui parce qu'il s'est déjà pris pas mal de dégâts à Milobulus. Et vu que ce Pokémon, j'ai pas du tout envie de le perdre. Aïe, ça fait mal ça. Encore lui, Macronium. C'est pas que je m'en fous, mais ce Pokémon, je l'aime déjà beaucoup moins. Alors, si je le perds, c'est déjà moins grave. Tac, on va switcher sur Milobulus cette fois. Prends ça. Je sais pas si c'est une bonne idée. Ok, c'était une bonne idée. Là par contre, c'en est pas une bonne de le laisser. Donc, tac, on switch. Franchement, on l'aurait perdu alors qu'on vient de l'avoir. J'aurais pas été content. Ah, alors on est...
on nous a donné Cut. Et maintenant, il faut la prendre. D'ailleurs, est-ce qu'on est tombé sur un Pokémon sauvage sur cette route? Je sais pas, enfin bref, on va au pire, on va pas. Cut. Alors, il y a moyen de la prendre à qui? Bon, je suis désolé, Macronium, mais on va le mettre à toi parce que bah, t'es celui que j'aime le moins dans ceux qui peuvent la prendre. Bah, on va virer charge, hein. Cut, c'est mieux que charge, donc voilà. Hop, bon là on s'en fout. Bon, on va mettre lui parce que vu que c'est un type insecte, là je le sentais pas avec poussifeu, donc bah là par contre ça serait une grosse boulette de pas le tuer avec poussifeu. Ah, pic c'est bah en, les rugissements hein. Puis bah voilà, on va remettre Milobélus parce que là il va évoluer. Ah merde, j'aurais pu le tuer avec Ah, lui il va gagner beaucoup d'XP, c'est cool. Et voilà, poussifeu évolue. Donc je pense on va aller jusqu'à la fin de cette route et puis après on va s'arrêter puisque ça fait déjà une bonne vidéo. Ah, il veut apprendre ouais, double pied. Eh ben allez. Alors je sais pas pourquoi la musique du jeu elle est un peu décalée de, enfin de l'image, je sais pas pourquoi ça doit venir du jeu. Du coup voilà, je lis exprès la fin en off. On va remettre Milobélus. Donc je le montrerai juste niveau 20, 22 à peu près. Enfin je sais pas, je verrai hein, mais pas au-dessus de 25, ça c'est sûr, parce qu'après nos Pokémon ils seront tous trop cheatés. Allez, hop, on les défonce. Oula, un Scarabrut. Ah, il a des potions. Ok, mais ça lui sert à rien. Ok. Ah, nouvelle route. Là, on le capture, le Pokémon. On le capture, on faille pas. Ok, on va juste le capturer pour le... Bah, pour le capturer, puisque... J'aime pas ce Pokémon. Enfin, bref. Ok, on récupère une Ultra Ball. De toute façon, on en utilise une, on en récupère une. Alors, bah cool, j'ai envie de dire. Et on a bientôt plus d'attaque. Donc là, on va changer. On va pas se le tenter Galifeu, parce que voilà. On va switch, parce que paralysé, c'est jamais bon signe. Ok. Oh, mais une potion sur un Kenetor, ça sert à rien. Ok. Toi, t'es mort. Ah merde, j'ai fait Flamèche. Ok, et toi, t'es mort. Ah, il y a notre rival. Alors, il y a quoi là? Ah non, écrémeux. Ah si, quoique, bah si, on va le prendre.
Ah ouais, mais j'ai pas de place dans mon équipe et on peut pas le prendre du coup. Bon, on va laisser tomber, c'est pas grave. On va mettre lui en premier. Non. Je veux pas, voilà, switch. Bah parce que Milobelus, bah, il a plus d'attaque et Macronium il est paralysé. Et vu qu'il y a notre rival, on aurait été dans la merde sinon. Donc voilà, c'est le seul qui est capable de se battre pour l'instant. Donc on va le mettre, même s'il est déjà niveau 32. Ce qui est un peu con parce que les autres ils ont un niveau pourri. Oula, excusez-moi. Voilà, on reprend. Donc désolé si vous avez vu un petit truc d'erreur. Je sais même pas pourquoi ça m'a mis ça. D'habitude ça me le met jamais. Allez. Ok, on l'a battu. C'est cool. Bah, on est toujours pas à la prochaine ville, c'est ça qui m'embête. Bah, parce que on peut pas se soigner. Alors, ils nous disent quoi, eux? Ok, et toi? Oh, arrête de te barrer là. Ok, elle dit rien. Ouais, mais du coup on va s'arrêter là parce que voilà, on va s'arrêter devant les ronflex. Donc je vous dis à bientôt pour la suite de ce let's play ou les autres let's play que j'ai en cours. Salut tout le monde et prenez soin de vous.